Et bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est un petit moment que j'avais pas lancé de live, du coup c'est l'occasion. Ça fait quelques temps qu'à chaque fois je me dis j'en lancerai bien un live parce que j'ai plein de trucs à faire, hein. Faudrait que je continue Phoenix Wright, faudrait que je continue Machinica Atlas que j'ai commencé pendant le dernier stream, qui était assez court. Mais là, d'abord, ce soir, on va reprendre autre chose. C'est en début de semaine, ou là, en fin de semaine dernière, il y a eu une nouvelle mise à jour de That's Not My Neighbor. Et du coup, on se retrouve ce soir, en tout cas pour tester ça, peut-être après. On verra selon la durée des mods qui ont été rajoutés. On passera peut-être sur Machinica pour finir la soirée, mais en attendant, That's Not My Neighbor. Donc on va tester la mise à jour. Donc la mise à jour apporte deux nouveaux modes. Donc il y a le mode Endless, donc qui en gros on va continuer de jour en jour jusqu'à ce. C'est un peu comme le mode Nightmare, c'est-à-dire que dès qu'on laisse rentrer un Doppelganger, c'est fini. On se fait tuer, donc le but c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Et il y a le mode campagne que j'ai très hâte de tester, voir ce que ça donne, voir ce qu'il rajoute. Donc sachant que le mode campagne, si j'ai bien compris, c'est sur 7 jours. Donc on va enchaîner plusieurs jours. Et si j'ai bien compris, c'est par exemple si on se trompe sur un voisin qu'on l'accuse d'être un doppelganger alors qu'il ne l'est pas, je sais qu'il meurt et du coup on ne le reverra plus jamais passer de la semaine. Et pareil, si on laisse rentrer un doppelganger dans la campagne, bah, toute la famille qui se trouve dans cet appartement est morte. Donc on ne les reverra pas non plus. Donc je trouve ça assez intéressant, donc on va essayer tout ça. On va voir à quel point j'arrive à protéger les gens de l'immeuble et à traquer les doppelgangers. Et donc on va tester tout ça. Et j'avoue que j'avais très hâte qu'une nouvelle mise à jour sorte avec des nouveaux mods. Donc on va lancer tout ça. Tac. Ça, not my neighbor. Voilà. Donc on voit, hein, on est passé sur la 1.2. Et donc, les nouveaux modes. On a donc le mode Endless et le mode campagne. Sachant qu'on refera. D'ailleurs, je me demande si le Endless il est juste sur le mode Nightmare. Remarque, il dit que c'est le même que le Nightmare, mais. Salut Terajima! Comment ça va? Sachant qu'on fera un peu de Nightmare parce que j'ai encore des succès à débloquer pour le Nightmare. C'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion de le faire en live, donc c'est l'occasion de tester. Mais déjà, pour commencer, on part sur le mode campagne. Alors, d'accord, donc on a un menu comme ça. Voilà, donc les doppelgangers arrivent, mais le DDD est là pour les arrêter, une bonne fois pour tous. Donc nouveau boulot offert. Donc on est le portier du complexe. Et donc, bah voilà, en gros. Et on est parti pour une nouvelle campagne. On peut voir les records. Donc là, on retrouve ce qu'on a. Et je présume que ça, c'est ceux du mode Nightmare qui me reste encore débloqué. Cela n'y était pas. Donc il faut survivre. Donc ça, c'est pour le mode infini. Infini. Voilà, donc les campagnes. D'accord, donc. Donc Six Feet Under. Achieve Descending. Donc, d'accord. Alors ça, le truc s'appelle Six Pieds Sous Terre. Donc je présume que c'est si jamais on meurt pendant le mode campagne. Ouais, ça va bien. Content que la semaine soit finie, un peu fatigué de la semaine, mais voilà. Puis du coup, j'en ai profité, j'ai vu que la mise à jour de Zatanna My Neighbor était sortie. J'avais très hâte de la faire en stream, du coup, je me suis dit autant le faire ce soir, vu que demain c'est samedi, je vais pouvoir dormir un peu. Donc autant profiter pour streamer un peu ce soir. Bon, bah alors ça, je présume qu'il faut mourir en campagne pour le débloquer. Et après, je pense qu'on a plusieurs fins, donc.
Bah, on verra parce que là, autant celui-là, le titre est assez équivoque, autant cela. Employee Model, je pense qu'il faut le finir sans faire d'erreur. Je pense que c'est la fin parfaite. Et après, il doit avoir des trucs. Il aura des trucs un peu cachés. Aïe, on va voir ça. Aïe, on est parti. Nouvelle campagne. Et de toute façon, je n'ai pas de nouvelle campagne en cours, donc. Alors, pas de cinématique, on rentre directement dans le. Donc, bienvenue et félicitations pour votre nouveau boulot. Donc, votre job est de vérifier toutes les entrées des résidents du building. Et n'oubliez pas de checker donc, la date d'expiration des ID. Et donc, on se souvient bien qu'on est en février 1955. Donc, ça, c'est le même début hein, que le mode classique. Donc, voilà notre liste. Donc, aujourd'hui, on n'a que 3 personnes sur la liste. Alors, donc on commence déjà par notre Mia Stone, qui elle est bien sur la liste. Donc on commence. Les papiers, donc là la date, l'ID est bon, Mia Stone, donc ça c'est bon, le logo est bon. On vérifiera la photo plus tard, le logo est bon, elle est bien au 3-1. Donc elle est bien au 1 du third floor, donc ça c'est bon. Ok. Alors. Donc elle est censée avoir les cheveux longs, elle a un petit nez rond, elle a des taches de rousseur, elle a une face ovale et elle a des sourcils très fins. Je pense qu'on est pas mal là. Tac tac tac, les freckles. Le nez, la bouche, elle ressemble, elle est bien son truc, elle a les cheveux longs. Alors son ID. 78-95, 78-95. 64, 52, 64, 52, 51, 20, 51, 15, 51, 15. On est bon. Et ben, la première, je vois pas de raison de douter. Ça se trouve, je fais une erreur dès le départ. Pense bien. Alors, toi, t'es sur la liste, monsieur Arnold. Monsieur Schmidt. Bah, la date est bonne, le 10-71 on est bon, le logo est bon. Arnold Schmidt, S-C-H-M. S-C-H-M. C-H-T. C-H-T, on est bon. Là, on a bien le logo. Donc, il dit qu'il est un écrivain. On va vérifier qu'il est bien au 2-1. 2-1, ouais, on est bon. On va vérifier sa carte. 77-95, 85. 77-85, 66-21, 66-21, 93-22, 93-22. Le numéro est bon. Maintenant, son apparence. Donc, il a des gros sourcils. Il a une grosse moustache. Donc, là, on est bon. Donc, il est bien writer. Donc, il porte un chapeau. Il a bien son chapeau. Sa face est ronde et il a les cheveux courts. Cheveux courts et face ronde. De suite, hein, on est bon. Bon, ça se trouve, le premier jour de la campagne est peut-être très simple. Allez, vous pouvez rentrer. Et la dernière, Margaret. Et bah déjà, il y a un souci. Parce qu'elle ne louche pas. Qu'est-ce qui va avoir avec mon apparence? Regardez bien attentivement les photos de mes papiers d'identité et comparez-les. Mais ouais, et on compare. Et là, on voit. Hein. Il y a un œil qui regarde à côté. Hein. Ouais, dommage. Et vous avez contacté le DDD. Un groupe d'agents a été envoyé à votre immeuble.
Veuillez attendre que le protocole de nettoyage soit terminé. Protocole de nettoyage terminé. Vous pouvez reprendre votre job. Ah bah voilà, là on est déjà mieux. Alors, par contre, je veux bien ton papier d'entrée. Oui, t'as oublié. Alors, Margaret Bubbles, 1275, on est bon, le logo est bon. Le logo est bon. Elle dit qu'elle est seamstress, donc couturière. Donc elle habite au 2-3, fais voir, 2-3, donc on est bon. Est-ce qu'il y a une faute sur son nom? C'est Margaret avec 2 T, 1 R, Bubbles. 1 R, 2 T, Bubbles. Bon, le nom, on est bon. Alors, au 2-3. Donc, elle est bien seamstress, donc ça, c'est pas de souci. Donc, elle a les cheveux bouclés. Elle a son œil gauche qui part sur le côté. Elle a un nez rond et un grand sourire. Le nez rond, le grand sourire, l'œil et les cheveux bouclés. Là, on est bon. Maintenant, son numéro. 10-32. Donc, 10-32, oui. 68, 68, 01. 01-45-90. 01-45-90. Le numéro est bon. Elle est bien sur la liste. Bah, ce coup-ci, je pense qu'on est bon. Allez. Et voilà. Dans le premier jour, je pense que c'est le plus simple. Tiens, chasseur, c'est pas lui qui vient de nous poser des. Qui vient de nous poser des questions là à chaque fois. Bon, d'habitude, il est en hippie, pas en fermier, mais. Il me semble que c'est lui qui vient poser ce. Ok, bon, peut-être qu'il viendra nous rendre visite. Hein. Allez, on y va. Là, on voit qu'il y a un jour de plus qui a été coché. Bonne après-midi! Vous commencez votre deuxième jour de travail. Même si ça semble être un travail facile, ne baissez pas votre garde. Donc il me laisse la liste et au revoir. Alors, qui est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a Arnold, Louis et Selene. Eh bah déjà, ça commence mal, toi t'es pas sur la liste. Alors, MacLeod Ruboy. On vérifie quand même. Hein, le logo est bon. J'habite bien au 3-3. MacLeod Ruboy. Je sais pas si c'est pas inversé parce que Ruboy, c'est son. Il me semble que c'est son prénom. Ah non, c'est Ruboy le nom. Je n'ai rien dit. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, je suis j'inverse. Très bien, mais t'es pas sur la liste, mon grand. Je suis pas sur la liste aujourd'hui. Je pense que c'est une erreur, je devrais être sur la liste. Ouais, on me la fait pas. Alors, toi, ton numéro, c'est le 4242. Allô, Steven à l'appareil. Donc son père n'est pas à la maison. Donc c'est peut-être le vrai. Et très bien. Et bah du coup, vérifions. Alors, on reprend notre fiche. Donc, Monsieur McCloy Rudeboy, il est retraité. Alors, son apparence. Il a une moustache, il a un gros nez, il a un petit bouc, il fume et il porte toujours son chapeau. Le chapeau, il l'a. Il a bien son gros nez, ses moustaches, son petit bouc. Il fume. Bon, apparence, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc la date est bonne, le logo est bon. Son numéro. 96. 96, 45, 16. 45, 16. 18, 46, 11. 18, 46, 11. Et bon. Bon. Donc, il habite bien au 3-3. Donc le My Apartment est the third on the third floor. Donc ça en est bon. C'est bien résident. Ouais. Le logo est bon.
Bon, pas a priori. Allez, à Jacques Taest, hein. Tout me semble bon. Alors, Margaret. Tu n'es pas sur la liste, Margaret. Alors, ton ID et pourquoi t'es pas sur la liste? Pas sur la liste aujourd'hui? Ça doit être une erreur, je devrais y être. Ça prend pas. Ça prend pas, Marguerite. Alors, 12,75. Je me demande si, d'ailleurs, si la date est fixe, du coup. Parce que. Est-ce qu'il faut se souvenir de la date qu'elle nous a. Est-ce que c'est fixe? Parce que je sais que c'est généré aléatoirement, pas à chaque partie. Mais est-ce que c'est fixe? Ou est-ce que si jamais il y en a une qui me montre une date qui n'a pas été la même que la veille, elle est fausse. Simstress, 2, 3, Margaret Bubbles, un R2T, Bubbles. Ah, mais c'est pas le bon nez. C'est pas le bon nez si je dis pas de bêtises. Eh ouais. Ah. On me la fait pas. Ça prend pas. Vous avez contacté le DDD, donc ils ont un groupe d'agents. Allez, brûlez-moi tout ça. Merci, monsieur. C'est un plaisir de vous fournir ces pourritures de Doppelganger. Ah, sans vous avoir déjà vu passer, vous. McLawyer Boy. On va vérifier, parce que du coup, ce coup-ci, si celui qu'on a laissé passer était le vrai, celui-là est un doppelganger. On va essayer de voir ce qui ne colle pas dans son apparence. Pourquoi lui serait le doppelganger et pas l'autre? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la même fucking apparence. 96, 45, 16, 18, 46, 11. 96, 45, 16, 18, 46, 11. Le code est bon. La date est bonne. Le logo est bon. McCloy. McCloy. Rude Boy. Rude. Ah, c'est. Ah non, c'est bien ça. Rude Boy. J'ai cru qu'il y avait marqué Rube Doy. C'est bien Rude Boy. Ouais. Ah, comment merde ça? Parce que d'habitude, il y a toujours un détail sur les doppelgangers. Là, il n'y a rien. Ça m'emmerde un petit peu, là. Parce que ça se trouve, c'est lui le vrai et c'est pas le bon que j'ai laissé passer. Un peu la baise. Ouais. Le nez est bon, les moustaches sont bonnes. Les sourcils avec les traits sous les yeux, les oreilles sont bonnes. Il a bien son petit bouc. Il fume son cigario, hein. Son chapeau. Ouais. Et ben. Pourquoi c'est pas sur la liste, toi? C'est quoi son excuse? Ouais, bon, il me sort comme l'autre, hein. Ça doit être une erreur et qu'il doit y être. Parfait. Eh ben, je ne sais pas ce qui ne va pas pour le différencier du vrai. Parfait. Bon, ben, on va dire que j'ai laissé passer le vrai de toute façon. Hein. Après, c'est un truc que je me suis toujours demandé sur les doppelgangers. Est-ce qu'il peut pas y avoir des doppelgangers parfaits qui arrivent quand on a déjà laissé passer une fois le vrai? Ouais, embarquez-moi ça, mais soyez gentil, hein, c'est peut-être le vrai. Alors, Monsieur Schmitt.
Donc vous êtes bien sur la liste aujourd'hui encore. Alors, il a son chapeau, il a ses petits cheveux frisés, il a sa belle moustache. Le nez, c'est le bon, la bouche est la bonne, la forme du visage, c'est la bonne. Alors, Arnold Schmidt. SCHM, c'est vrai, on est bon. Le logo est bon, il est bien écrivain, il habite au 2-1. La date est bonne, le logo est bon. Donc, qui on a dit qu'il habitait au 2-1. Donc, 77-85, 77-85, 66-21, 66-21, 93-22, 93-22, on est bon. Arnold, donc on est bien Arnold Schmidt. Arnold Schmidt. Il est bien écrivain, ça y est, pas de soucis. Les cheveux courts, pantalon chapeau, mais ça. Gros sourcils, là, c'est gros sourcils. Bon. Eh ben, let's go. bonjour Célène. Bon, en tout cas, si c'est Célène, elle a bien le cheveu bien du bon côté et son petit grain de beauté aussi. C'est bien Célène parce qu'elle a les boucles d'oreilles carrées. Donc, Célène Svertch. Donc, la date est bonne, le logo est bon. Donc, je vérifie l'orthographe de son nom, Svertch. Svertchzt. Chzt, ouais, on est bon. Ok, Célène, il y a bien deux N à Célène. Oui, il y a bien deux N à Célène. Ok, alors, maintenant. Donc, le logo est bon, la date est bonne. Le logo est bon. Donc, elle dit qu'elle habite au premier étage, c'est l'appartement numéro 4. C'est bon, hein, les deux sœurs jumelles, elles habitent là-bas. Donc, son apparence. Elle a son petit grain de beauté sur la joue droite. Donc ça, c'est bon. Il est là, hein, son petit grain de beauté. Elle a son petit nez pointu. Petit nez pointu, ok. Donc, elle est fine, elle a un long cou et elle a une jumelle. Alors ça, je veux bien, mais bon, tant que la jumelle n'est pas passée, ça me sert à rien. Donc, elle est modèle. Alors, son numéro. 78-56. 78-56. 13-26. 13-26. 95-14. 95-14. Là, on est bon. Les oreilles sont bonnes. Le cheveu est bien, bien du bon côté. Là. Donc, elle a son long cou, ses boucles d'oreilles. Ses petits sourcils, les yeux fermés. Elle est bien sur la liste. Elle est bien sur la liste. Et bon, ça part ok. Monsieur Arnold, je vous ai pas déjà laissé passer, vous? Alors, où il est votre entry request? Alors, Arnold Schmidt, donc il est bien écrivain, le logo est bon, la date est bonne, le logo est bon. Ça me rend fou parce que je vois pas ce qu'il veut, je vois pas l'erreur. Le nez est le bon, il a bien ses moustaches, les sourcils, il a bien les bons sourcils. Les oreilles c'est les mêmes, les oreilles c'est les mêmes, ouais, il a son chapeau. Arnold, MCHM. MCHM. ICHT, ICHT. Alors, 77-85, 77-85, 66-21. 66-21, 93-22, 93-22, ok, bon, les numéros sont bons. Ok. Si vous voyez une différence au chat, n'hésitez pas à venir, parce que là, moi, j'en n'en vois pas. Mais, on sait que l'autre, on l'a déjà laissé passer. On appelle le 51-23. Ça devrait nous répondre.
Donc, ici Gloria, elle pareil. Donc elle et son mari sont à l'appartement. Ils n'attendent pas de visite aujourd'hui. Et ben voilà. Qui êtes-vous, monsieur? Et sérieusement, où est l'erreur? Moi, personnellement, je n'en vois pas. Oui, protocole de nettoyage terminé. On peut reprendre le boulot. Merci. Bonjour Loïs. Alors, où est votre entry request? Donc, la date est bonne, le logo est bon. Le logo est bon et elle est sortie rendre visite à sa mère. Ilensky. Ilensky. Ouais. Loïs. Ouais, il n'y a pas d'histoire de tréma ni rien. Ok. Son apparence. Vérifions. Elle a bien le petit grain de beauté sur la joue. Le nez c'est le même, la bouche c'est la même. Elle a son collier de perles, les cheveux devant les yeux, son petit chapeau, ses boucles d'oreilles c'est les mêmes. Et bah pour moi, c'est la même. Alors, elle a des grosses lèvres. Elle a un grain de beauté sur la joue. La joue gauche. Elle a un visage rond et des cheveux courts. Ouais, cheveux courts, visage rond. La grosse bouche, sa mouche sur la gauche. Pas sur la droite. Non, sur la gauche. Ok, et ben, let's go. Ça me paraît bien. Encore vous? Mais je vous ai déjà laissé passer une fois. Ah, y a pas la date. Ouais, ça dégage. Eh ben au moins ce coup-ci la différence elle est flagrante. Vous avez contacté le DDD. Un groupe d'agents vous a été envoyé à votre building. Voilà. Protocole terminé. Merci monsieur. Ouais, j'en ai fini. Ah, oups. Comment ça, par les bons yeux? Alors, pour Arnold, j'ai pu me planter, mais alors pour McCloy, il a pas d'œil. Comment j'ai pu me tromper? Bah, on a perdu deux familles. Ah putain, c'est la merde. Remarque, moins de familles, moins de gens à faire attention. Allez, la moitié, le milieu de la semaine approche. Est-ce que tout se passe bien? Je l'espère. Allez, donne-moi la liste et ciao. Alors, bonjour, monsieur Roberski. Alors, Roberski Pitchman. Et le logo est pas bon. Allez, hop. Allez, ça dégage.
Je suis dégoûté d'en avoir le laissé passer deux là. Encore vous, monsieur Roberski. Monsieur Razowski, vos papiers. Alors, le 1273, le logo est bon. Robertski Pitchman, ouais, on est bon. Donc, il travaille en tant que shoemaker, il habite au 1-2. Le logo est bon. Son apparence maintenant. Il a bien son petit bout qui fait la gueule, il n'a pas de sourcils. Il a un gros nez, un long cou, des petits yeux. Et les cheveux bouclés. Ouais, on est bon là. Donc, long cou, pas de sourcils, un gros nez et un bouc. On est pas mal là. Ce coup-ci, les yeux sont bons. Parce que je me suis fait avoir deux fois par les yeux quand même. Bon, bah, moi ça me paraît pas mal, hein. Ah, là le journaliste. Alors, Isaac Gauss. Le logo est bon, la date est bonne. Le logo est bon, donc il est bien reporter. Il habite au 2-2, Isaac Gauss. Vous êtes sur la liste, monsieur Gauss. Isaac Gauss, 2-2. Eh bien, il est bien sur la liste. Alors, ses yeux sont bons, les sourcils sont bons, le pif a l'air bon. Le grand sourire, le menton. Donc Isaac, A2A, CK. 2A, CK, Gauss, ouais, bon, on est pas mal. On a dit qu'il habite à... Ah, il n'y a plus personne. L'appartement est vacant. Alors, Isaac Gauss, donc on va vérifier son numéro. 45-69, 45-69, 85-51. 85-51, 23-69, 23-69. Le numéro est bon. Donc, on reprend. Il a des gros sourcils, un grand sourire, il a un menton proéminent et il a un gros nez. Menton proéminent, gros nez, gros sourcils et grand sourire. Bah, jusque-là, moi, tout me va, hein. Alors, Madame Mia. Mia Stone, habite au 3. Mia Stone, le logo est bon, la date a l'air bonne. Le logo est bon, elle dit qu'elle travaille en tant que teacher, elle habite au 3-1. C'est vrai, ce mensonge, le 3-1, oui. Alors, Mia Stone. Alors, 3-1. Donc, elle a les cheveux longs. Elle a son petit nez rond. Elle a des taches de rousseur. Elle a une face ovale. Et des petits sourcils. Petits sourcils, cheveux longs, visage ovale. Ses petites taches de rousseur et son petit nez rond. Alors, 78-95. 64, 52, 51, 15. 64, 52, 51, 15. Et ben on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Est-ce que les yeux sont bons? Les yeux m'ont l'air pas mal. Ben allez. Vous direz que c'est pas moi. Alors, Margaret. Margaret Bubbles. Le logo est bon, la date est bonne. Le logo est bon, et qu'elle travaille un truc qui me stresse.
Alors, est-ce que son apparence colle? Déjà, elle n'est pas sur la liste. Pourquoi? Elle n'est pas sur la liste parce qu'elle était partie pour une urgence. Très bien. Alors, combien tu dis que t'habites, toi? Au 2-3. Deux, trois. Alors, donc elle est bien Sims 13, donc elle a dû partir pour le boulot. On va essayer d'appeler hein, 64 31. Ah, Margaret est déjà chez elle. Tiens, tiens, tiens. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ça dégage. Allez hop. Alors, Monsieur Afton. Alors, docteur W. Afton, le logo est bon, la date est bonne. Le logo est bon, donc il dit qu'il travaille comme physiciste. Donc il habite au 3. Hein. Donc il a des robustes sourcils. Il porte des lunettes. Il a les cheveux courts. Il a un nez rond. Et une tête carrée. Alors, le nez rond, le nez le même, le nez carré, la tête carrée, les visages carrés. Ses sourcils, c'est les mêmes. Il a bien ses lunettes, le nez rond, les cheveux, c'est les mêmes. Ok, bon, physiquement, ça colle. Alors, 25-04. 25-04. 89. 89, 65, 62. 65, 62, 14. Ok, et ben. Très bien. Et ben, a priori, tout est bon, hein. Oui. Tout est bon, t'as le droit de rentrer chez toi. Alors, Célène. Est-ce que t'es sur la liste, Célène? Tu n'es pas sur la liste, Célène. C'est pas bien. Alors, est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Bon, déjà, pourquoi? Non, c'est pas ça, c'est cette question. Oui, mais c'est cette question-là que je posais. Pourquoi vous n'êtes pas sur la liste? Elle a dû partir pour une urgence. Ok. Bon, et bah vérifions. Donc, elle a bien son grain de beauté à gauche. Enfin, un autre gauche, mais c'est sa droite. Les boucles d'oreilles carrées, la robe plus foncée, ok. Le cheveu qui part bien de ce côté-là. Elle a son petit nez, sa bouche. Le visage comme il faut. Eh ben écoute. Me paraît bien tout ça.
Ah, le dernier de la liste. Monsieur Urban. Roman Stinsky. Bon, le logo est bon, la date est bonne. Le logo est bon. Donc il habille bien au 1-1. Voilà, donc il a les sourcils. Là, on est en forme de saucisse, là. Le numéro me paraît un peu long quand même. 48-39. 48-39. 24-05. 24-05. 96-84. 96-84. Non, bah c'est bon. Si on fait ces trucs, il a un gros nez. Il a une cicatrice au niveau de la joue gauche. Il a des longs faces. Et un seul sourcil. Porte des chapeaux. Ouais, porte des chapeaux. Il a sa cicatrice. Ouais. Allez, le jour est terminé. Ah, encore? Bon, et bah dommage, on a encore perdu de famille. Là 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 là, je suis pas en forme, hein. Bon, bah. Ça fait chier. Mais en plus, je suis trop con, moi. Je la laisse rentrer. Mais je l'avais déjà laissé rentrer. Oh, je suis pas réveillé. Bon, au bout d'un moment, quand il n'y aura plus personne dans l'appartement, il n'y aura plus personne à laisser rentrer. Hein. Vous semblez fatigué. Ouais, je sais. Ah, attends. S'il parle de troubles psychologiques et trucs comme ça, c'est peut-être qu'on va passer sur le mode nightmare. Oula! Vous avez oublié un truc ce matin, vous. Mon apparence. Le nez? Des nez sans nez, ouais. C'est normal pour les humains. Allez, et bah merci Crina, mais au revoir. Hein. Nacha. Alors, le logo du DDD, 1173, oui. Y a un truc qui me paraît bizarre avec le logo, mais je sais pas. Je vois juste pas voir les yeux en fait du tout. Nacha Michaelis, est-ce que vous êtes sur la liste déjà aujourd'hui? Oui, vous êtes sur la liste, ah, c'est bien ça. Alors, c'est bien, bien, bien. Le petit nez, c'est le bon. Là, bien, c'est le truc. Faut que je vérifie que les yeux sont bien dans ce sens-là. La bouche c'est bon, les oreilles c'est bon, les cheveux c'est bon a priori. Nacha Michaelis.
Donc, elle travaille en tant que chef. Attends, elle habite au 4. Alors, donc elle est bien chef. Donc, l'œil bleu est à droite. Donc, c'est-à-dire à ma gauche. Donc là, on est bon. Le vert est à droite. Enfin, est à gauche, donc à droite pour moi. Les cheveux bouclés. Elle a des freckles et un visage rond. Visage rond, des petites taches de rousseur et les yeux sont du bon côté. Alors, le numéro. 78-96. 78-96, 53-66, 53-66, 54-13, 54-13. On est bon, le logo est bon, la date est bonne. On fait une dernière vérification. Nasha Michaelis. Nasha Michaelis. Oui, on est bon, on est bon. Elle habite bien au 2-4, elle est bien chef, paf paf paf. Et bah allez, tout est bon. Bon rentrage chez vous. Vous avez pas pris les sourcils de votre mari, vous? Vous n'êtes même pas sur la liste. Oh, la liste d'aujourd'hui. Bon, il est pas content. On discutera avec. T'en discuteras avec le DDD. Merci. Au revoir. Alors, notre ami le laitier. Il est bien sur la liste. Alors, c'est bien le bon nez, les bons sourcils, les yeux fatigués, les oreilles, la bouche est bonne, le menton est bon. Ok. Donc, Francis Moses, il habite au 3-2. Le logo est bon, la date est bonne. Le logo est bon, donc il travaille bien en tant que milkman. Il habite au 3-2, Francis Moss. Donc 3-2, il a un long nez, il a des joues fines, il a les yeux fatigués, les cheveux courts et il porte un chapeau. Ouais, donc là on est tout bon. Il est bien sur la liste, donc ça c'est parfait. Son numéro, 23-55. 23-55. 69-41. 69-41. 89-95. Et on est bon. Eh ben écoutez, monsieur. Monsieur Moss, ça vous semble tout. Genre vérifie, hein, parce que j'arrête pas de me faire avoir sur les yeux. D'accord? Les yeux en amande, les yeux noirs. Piqué, ouais. D'accord. Les trois doppelgangers que j'ai laissé passer, les trois, il y avait marqué pas les bons yeux. Alors, oh, vous n'êtes pas sur la liste, vous. Aftaline, comment ça se fait? Pas sur la liste. Oui, ça doit être une erreur, c'est ça. Vous habitez à combien, vous? Vous êtes au troisième étage, quatrième. Alors, Rafteline Capucin. Alors, tout est en double. Rafteline, donc 2T, 2L, Capucin. 2P, 2C, on est bon. Le logo est bon, la date est bonne. Le logo est bon, donc il est parti rendre visite à ses parents. Son numéro, 5685. 56-85, 54-59, 54-59, 63-29, 63-29, ok, donc elle est housewife, donc elle est femme au foyer, elle a une longue face, un gros nez, oui, elle a bien son gros nez, par contre la bouche est un peu basse, non? Oui, c'est bien ce qui me semblait qu'elle a le visage bien long, hein. En fait c'est le nez qui est trop haut, non, c'est le visage qui est trop long, ouais. T'as une longue face, mais pas aussi longue que ça. Hein.
Je veux dire qu'il y avait un truc visuellement qui allait pas avec son visage. Alors, Monsieur Capucin, vous êtes sur la liste en plus aujourd'hui. Non, même pas. Ouais, comment ça se fait qu'on n'est pas sur la liste? Parce que t'as eu une heure juste en boulot. Ben, voyons. Bon, déjà, premier tour. Le logo est bon. Le logo est bon, la date est bonne. Là, tout va bien. On va appeler chez vous. 4258. Alors, Raftaline à l'appareil. Donc son mari n'est pas à la maison. Donc c'est peut-être le vrai. Parfait. Donc on vérifie. Alors, Alphe Capucin, il a un gros nez. Là, le nez est là. Il est présent. Il a une grosse moustache. Une moustache très prééminente. Il utilise un monocle. Oui, on est bon là. Porte un chapeau, il a un visage rond. Visage rond, il porte un chapeau. Les sourcils, c'est les mêmes. Les yeux ont l'air d'être bons. Ok. 12-05. 12-05. 48-09. 48-09. 63-47. Ok, le numéro est bon. On vérifie. Les yeux sont pas mal, tac tac tac. Ok, et eh ben. Ah, ça me paraît good, hein. Eh ben, welcome, hein. Alors, Dr. Afton. La date est bonne, le logo est bon. Bien physiciste, le logo est bon, docteur W. Afton. Vous êtes bien sur la liste aujourd'hui, très bien. Les lunettes sont bonnes, le nez, la bouche, les sourcils, les cheveux, tout est bon. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Donc, l'arrêt, des sourcils, mais ça c'est bon. Porte des lunettes, les cheveux courts, le nez rond et une tête carrée. Carré, néon, ouais, on est pas mal. Et maintenant, si on regarde son numéro, 2504, 2504, 89, 65, 89, 65, 62, 14, 62, 14. Ok, bah on est bon. Hein. On est bon, on est bon. Hein. Alors, Monsieur Robeski. Logo est bon, la date est bonne. Le logo est bon. C'est Robertski Pitchman. Alors, son numéro. Alors, 11-46. 11-46, ouais. 22-89. Je lis pas. C'est 52-28. 52-28, 97-30. 28, 97, 30. Ouais. Alors, son apparence, il a un long cou. Oui. Il a pas de sourcils.
Oui. Et ben, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. La date est bonne. Bon, bah. Alors, je vais juste rappeler parce que je sais plus si je l'ai laissé passer déjà aujourd'hui ou pas. 26-68. Donc, Alberski, est-ce que ton frère est à la maison? Ton frère n'est pas à la maison. Bon, bah parfait. Je sais qu'on a commencé par un Roperski qui a voulu rentrer avec son gros pif là, mais. Je sais plus s'il y en avait un autre qui était passé. Allez, ce coup-ci, on s'est pas trompé. Ouais. Par contre, Chester a disparu. Bah mince. S'il va venir il y a un jour ou pas. Demain c'est le week-end, c'est trop bien ça. On a encore du boulot, oh, c'est pas drôle. Ces monstres n'ont pas de repos. Allez, donne-moi la liste et let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc, oh, il y a déjà un peu plus de monde. Donc, il y a Nasha, Roberski, Anastasha. Anastasha, ça va être la première fois qu'on va la voir. On ne l'a pas vu jusqu'à maintenant. Rafteline, Isaac et Dr. Alton. Alors, on commence par Isaac Goss. La date est bonne, le logo est bon. Le logo est bon, il est bien reporter, il est bien au 2-2. Isaac Goss. Isaac Goss. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose sur son apparence? C'est bien les bons yeux, les gros sourcils, son gros pif, son sourire, son menton proéminent, les cheveux gominés, les oreilles, on est bon. On est bien, on est bien, on est bien. Donc, Isaac Goss, ouais, donc gros sourcils, gros sourire, menton proéminent, et gros nez. Ok. On est bon. Alors. 45-69. 45-69. Ok. 85-51. 85-51. Et 23-69. 23-69. Et ben, monsieur Lagomina. Moi, ça me paraît pas mal. Alors, bonjour Rafteline. Alors, Rafteline Capucin, donc 2T2L, 2P, 2C. Ouais, on est bon. Le logo est bon, la date est bonne. Le logo est bon, donc elle est partie visiter ses parents. Ok. Donc on est pas mal. Habite combien déjà elle? Oh, 3-4. Donc c'est bien ce qu'elle m'a dit, 3, 4, ouais, on est bon. Alors, je vérifie. Là, on est pas mal. Donc, long face, ouais. Oui, on est pas mal. Et gros nez, des cheveux droits. Gros nez, cheveux droits, ouais. Et elle porte un headband. Donc elle a bien son headband. Ok. Ok. On est pas mal. C'est bien ses boucles d'oreilles, ses boucles d'oreilles. Tac. Rafteline Capucin. Ok, et ben, on a l'air pas mal. Oui, je vous ouvre. Chaque fois que je coche tout et j'oublie, je dis bah qu'est-ce qu'il attend? Bah oui, je vais pas ouvrir la porte. Passe par travers. Monsieur Roman, vous êtes bien sur la liste? Vous êtes pas sur la liste, monsieur Roman. Comment ça se fait? Parce que t'as eu une urgence au boulot.
Dites-moi plus. Donc la date est bonne, le logo est bon. Roman Stinsky, ouais. Le logo est bon. Public Accountant. C'est bien ça? Oui, Accountant. Alors, Gros-nez, ouais, cicatrice, on est d'accord. Long face, un seul sourcil. Il porte un chapeau. Donc un seul sourcil, long face. Et il a toujours son chapeau vissé sur le crâne. Bon, 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 bon. Les yeux sont bien les bons. Ouais, bah écoute, ça m'a l'air d'être un bon gars. Hein. Ce Isaac. L'autre, on est d'accord, je l'ai laissé passer. Hein. Vas-y, je vois pas ce qui va pas. Isaac Goose, est-ce qu'il y a une faute sur le nom? Isaac Goose, non. Gros sourcil, gros sourire, menton proéminent, gros nez. Ouais. Est-ce que je l'ai laissé passer l'autre? 73, 32. Ah, ma souris, elle est où? Donc Isaac est déjà rentré. Bon. Allez, on va le dégager de toute façon, mais. Enfin, j'ai fait un peu froid. Et bah vous, hein, DDD, hein. Et je pense que je me suis encore planté. Tous les coups, je me suis encore planté. Allez. Alors, bonjour Monsieur Afton. Alors, on reprend. Le logo est bon, la date est bonne. Le logo est bon. L'habite bien au troisième étage au premier. Premier appart. Vous êtes bien sur la liste aujourd'hui, c'est bien. Est-ce que je l'ai déjà laissé passer aujourd'hui? Je me souviens déjà plus. Je me souviens déjà plus de qui j'ai laissé passer. Je sais que j'en ai eu un Afton, mais je sais plus si c'est sur cette journée-là ou sur la veille. Porte des lunettes, il a les cheveux courts, il a un visage rond, enfin il a un nez rond et il a un nez carré. M'a l'air un peu pointu ce menton carré là. Fallait pas prendre du menton, hein. Merci les gars. Bonne journée. Bah voilà. Elle est à la salle, il a perdu son menton. Le logo est bon, la date est bonne. Le logo est bon. Donc il habite bien au third floor, le premier appartement.
Les lunettes, les sourcils, ouais, on est bon là. Alors, docteur W. Afton. W. Afton, ouais. Alors, son numéro, 2504. 2504. 2504, 8965. 8965, 6214. 6214. On est pas mal. Alors, 14-25, je vais juste vérifier. Je sais plus si c'est sur cette journée-là que je les ai passés ou pas. Alors, Mia à l'appareil. Donc, son fiancé n'est pas à la maison. Donc, je ne l'ai pas encore laissé passer aujourd'hui. La question est, c'est vrai ou je fais encore une erreur? Si je leur laisse passer, que c'est encore un doppelganger et qu'on me dit, hey, c'était pas les bons yeux, je pète un câble. Bonjour Nacha. Alors, le quatrième ou le deuxième étage. Oui. Est-ce que vous êtes sur la liste aujourd'hui, Nacha? Oui, vous êtes bien sur la liste. C'est bien ça. Alors, 11, 73, oui. Nacha Michaelis, ok. Me paraît pas mal. Le petit nez, c'est bien le même nez, pareil. Les freckles, l'œil bleu est à droite. Et le vert qui est à gauche, on est d'accord. Hier, donc freckles, et le visage rond. Le visage m'a l'air pas mal rond. Soixante-dix-huit quatre-vingt-seize, 53-66, 53-70, 54-11, 54-13, 54-13. Yay! Eh ben, ça me paraît bon. Je peux ouvrir l'appart. Monsieur Roberski, vous êtes sur la liste. Vous êtes sur la liste aujourd'hui. Le logo est bon. 12. 13 on est bon. Le logo est bon. Robertski Pitchman. Alors 11,46. 11,46, ouais. Alors, Robertski, est-ce que je l'ai déjà laissé passer aujourd'hui ou pas? Alors, 11-14. Alors, 11-46, pardon. 11-14 ou 46, 50-28, 50-28. 97-30. 97-30. Le chat qui essaie de passer, vas-y. Je te fais la place. Vas-y, allonge-toi. Oui, on est pas mal. Alors, on va l'appeler 2668. Il me semble pas l'avoir laissé passer aujourd'hui. Ok, bon, son frère n'est pas dans la maison. Ah, très bien. Et ben, très bien, très bien, très bien. Bah, ça m'a l'air d'être bon.
Bonjour Anastasia. Alors la date est bonne, le logo est bon. Anastasia Michaelis, oui, on est bon. Le logo est bon, elle rentre de l'école. C'est bien, c'est bien, c'est bien, t'es bien sur la liste. Alors, le petit nez, les yeux fatigués, les petits sourcils, les petites oreilles rondes, la bouche, le visage rond, les deux petites couettes. Ouais, bah on est pas mal. On est pas mal. Alors, les yeux fatigués, les deux couettes, le petit nez rond et... Enfin, le petit nez, mais c'est même pas rond. Et le visage rond. Bon, bah on est pas mal, hein. Alors, son numéro. 13-26. 13-26. 98-53. 98-53. 44-62. 44-62. Ben, on est pas mal. Donc, je vérifie que c'est bien les bons yeux. Hein. Mêmes oreilles, la même bouche. Rien, on va appeler 1346. Donc, Nacha a l'appareil et sa fille n'est pas à la maison. Allez, ça me paraît bien. Oula! Oh ouais, y a même pas de photo. Un peu trop dur. Hein. Allez, on est fini. Ah, j'ai encore laissé passer quelqu'un. Oups. T'as pas vu qu'il avait un grain de beauté? Oups. Dommage. C'est dommage. Bon bah. Capwick. Pas quelle fin je vais avoir, mais je vais pas avoir une fin X longtemps. Ok, c'est le chez Weekend Shift Officer. Oui, on connaît le protocole. Hein. Allez, donne ma liste. Alors, qui est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Francis, on a le Dr. Afton, on a Angus, on a Alf et Margaret. Et on commence donc par Francis. Le logo est bon, la date est bonne. Francis Moss. Le logo est bon, il est bien Micman, il est au 3-2. Il est bien sur la liste, mon grand. Tac 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 tac. Ouais, ça m'a l'air tout bon tout ça. Alors, l'on est. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, 23-55. 23-55, 69, 41. 69, 41, 89, 95. 89, 95, on est bon. Ok, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Et ben. Ma fille, t'as pas de grande beauté derrière. Alors, Dr. Afton. Le logo est bon, la date est bonne, le logo est bon. Et vous êtes bien sur la liste aujourd'hui, oui, on est d'accord. Quel étage Afton? Il est troisième. Alors, 25-04. 25-04. 89-65-62-14. 65-62-14. Ok, on est bon.
lunettes, les cheveux courts, le nez rond. Carré, donc là on a bien le visage carré, le nez rond. Bon, bah ça paraît pas mal. Eh ben, bon. Alors, pas envie de dire que ça se voit comme le nez au milieu du visage, mais il y a un truc qui va pas. Alors, Rafteline. Alors, 2T, 2L, 2P, 2C, ouais. Ah, le logo est pas bon. Allez, hop, dégage. Merci les gars. Bon, ça, on a déjà laissé passer 2 pour l'instant. Et donc maintenant, c'est au tour de Alf. Qui est bien sur la liste, Alf. Petit check d'apparence. Le monocle est là, le nez est bon, la moustache est bonne, le chapeau est là, les yeux sont bons. Alors, Alf Capucin, le logo est bon, la date est bonne. On vérifiera le numéro après. Donc il travaille en tant que lawyer, le logo est bon, il est bien au 3-4. La fille, oui, 3-4, on est bien bon. Il est bien lawyer, donc il a un gros nez, une moustache proéminente, il utilise un monocle, il porte un chapeau et il a un visage rond. Tous ces critères sont bons. Alors, 12-05, 12-05, 48-09, 48-09, 63. 47, 63, 47. Et ben, tout ça m'a l'air parfaitement en règle. Alors, Rafteline, est-ce que c'est la vraie ce coup-ci? Ah, mais le logo, il est toujours pas bon. Revenez quand le logo sera bon. Bien quand c'est des erreurs faciles comme ça, parce que du coup, au moins ça se voit. Alors, Angus. Petit check déjà visuellement. Les sourcils, le nez, la moustache, le sourire, le menton en pointe, les petites oreilles, il a un chapeau, on est ok. Par contre, monsieur Angus, votre carte d'identité, elle est où? Alors, Angus Cipriani. La date est bonne, le logo est bon. Déjà, on est pas mal. Ouais, je vérifie quand même si le numéro est bon. Cipriani. Eh bien, 2N. Un seul P, 2N. Cipriani, on est bon. Alors, Angus Cipriani, il habite au 1-3. Et il est là en tant que businessman. D'accord, donc c'est bien ça. 56-50. 56-50. 03-69. 03-69. 88-45. 88-45. Et ben on est bon pour le numéro. C'est le numéro complémentaire. Il est bien businessman. Il a un long cou. Il porte un chapeau, il a une moustache et il a des petits yeux. Ça m'a l'air pas mal.
Ah, ça fait bizarre quand il a pas les yeux fatigués, lui. Ouais, ça aurait pu être le vrai qui s'est juste tapé sa meilleure nuit et qui du coup n'est plus fatigué. Et voilà la dernière. Margaret. Margaret, elle a bien, ouais, elle a pas de... C'est bien son œil à gauche, le sourire, la joue. Bon, visuellement, on est pas mal. Margaret Bubbles, il n'y a bien qu'un R, un G, un R, deux T. Ok. La date est bonne, le logo est bon. Je veux bien votre entrée request, s'il vous plaît. Elle habite bien haut. Troisième appartement, deuxième étage. Alors, rien, donc l'œil gauche des villes, le nez rond, donc elle a bien son nez rond. Et le big smile, ouais, ok. La carte d'identité, donc 10-32. 10-32. 6801. 6801. 45,90. 45,90. Ok, bah on est bon. Alors, le logo est bon, la date est bonne. Ouais. Bon, bah c'est bon, allez hop. Et c'est passé à 38 et cassez-vous. Hein. Oui, fin de journée. C'était la dernière. Haha, je me suis pas trompé. Allez, jour 7, c'est le dernier. Petit peu frisqué. Alors, dernier jour. Est-ce qu'on va y arriver jusqu'au bout? Dernier jour de la semaine. Allez, dernier mot à la liste. Alors, eh ben aujourd'hui on a du coup tous... Ah bah on va voir enfin Alberski qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant. Ah bah là voilà d'ailleurs. Vous n'êtes pas sorti de la semaine vous? Très bien, le logo est bon, la date est bonne. Albertski, ouais, Pitchman, on est bon, ouais. Le logo est bon, il travaille en shoemaker comme son frère. Check visuel, c'est bien le bon pif, le bon menton, la bonne moustache, les bons sourcils, les bons yeux. Ok, il n'y a pas de grain de beauté ni rien. On est pas mal. Moustache, premier check. Big nose. Big eyebrows, long face. Ouais, je vais faire du compteur, ça me paraît pas mal. Allez, quand il y en a un, voilà le frangin. Alors, merde, j'ai pas vérifié son numéro à l'autre. Oups. Bon, on va dire que c'est vrai. Le logo est bon, la date est bonne. Le logo est bon, il est bien Shoemaker. Les Bito 1, Robertski. T'es pas sur la liste, toi. Pourquoi t'es pas sur la liste? Parce que t'as eu une urgence. Eh ben écoute, on va appeler ton frangin qui est potentiellement un doppelganger lui-même et puis il nous dira.
Alors, Robert Ski, Pitchman à l'appareil. Les deux sont à la maison. Tiens, tiens, tiens. Monsieur Robert Ski. Pas bien ça. Alors, du coup, où est l'erreur? Alors, 11,46. 11,46. 52,28. 52,28. 97,30. 97,30. Ok. Pas où est l'erreur. Robert Ski Pitchman. Donc, la date est bonne. Le coup assez long, je sais pas. Voilà, son bouc est trop bas. Bon, de toute façon, il est déjà à la maison, donc c'est forcément un Doppel. Alors, monsieur Isaac, vous êtes bien sur la liste aujourd'hui. C'est bien. Isaac Gauss, la date est bonne, le logo est bon. Le logo est bon. Il travaille bien en tant que reporter, il habite bien au 2-2. 45-69, 45-69, 85-51, 85-51, 23, 20-69, 23-69. Enfin, le numéro d'ID est bon. Big Eyebrows, Big Smile. Ouais, pas mal. Ouais, bah ça me paraît pas mal, hein. Ah bah si vous êtes un Doppel, vous vous ferez plaisir. Alors c'est gentil, monsieur Alberski, mais vous êtes déjà dedans. Où est l'erreur? Où est l'erreur? Ok. Bon, de toute façon, c'est forcément un Doppel. Le vrai est déjà chez lui. Non! Eh ben tant pis, les deux frangins sont morts. Putain, je me suis planté. Je suis pas réveillé, c'est dingue. Alors, Angus, vous êtes pas sur la liste aujourd'hui. Parce que t'as quitté pour une urgence. J'ai quand même appelé chez toi, on sait jamais. Hein. Déjà que tes voisins sont morts. Ils sont en train de se faire assassiner là, actuellement.
D'accord, bon bah lui il est déjà là, il est encore chez lui. Très bien, allez, 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 hop. Alors, Anastasia. Le logo est bon, il a rendu l'école, whatever. Anastasia Michaelis. Alors, S26. S26, 98, 53. 98, 53. 34 ans nu. Donc là on est bon, les petits yeux fatigués, les deux petites couettes. Petit nez et son visage tout rond. Et bah écoute. Alors. J'ai pas laissé me rentrer la mauvaise. Alors, Margaret, est-ce que vous êtes sur la liste? Et le papier, l'entrée request, elle est pas pour les chiens. Alors, elle habite au troisième étage. Non, c'est le troisième appartement du deuxième étage. Donc on va prendre Margaret Bubbles. Normalement c'est un G, un R, deux T. Margaret Bubbles. Ok. Donc on check. Déjà le nez c'est le bon. Les yeux normalement sont bons. Les oreilles sont bonnes. Le sourire est bon. La forme du visage est bonne. Donc les sims stress. Les cheveux bouclés. Alors, 10, 32, 32, 68, 014, 68, 014, 590.
j'ai pas déjà laissé passer, je vais quand même vérifier. 64, 31. Donc elle est pas chez elle. Ouais bah moi ça me paraît bon. Ouais. Bon, foutu pour foutu, j'ai déjà fait des conneries plein, j'ai déjà fait plein de conneries là. Alors monsieur Alf, il manque votre idée. Alors Alf Capucin. Alors, 3, 4. 12, 0, 5, 48, 0, 9, 48, 0, 9, 63, 47, 63, 47. Je vérifie que je vous ai pas laissé passer. 42, 58. Ok, il n'y a personne à la maison. Eh ben... Aïe, et voilà la femme. Alors... Ok, bon, a priori. Alors, 56, 85. 56, 85, 54. 59, 63, 29. Alors, Docteur Afton, où est votre ID? Alors, le logo est bon, la date est bonne. Date est bonne. Il habite où déjà lui? 25-04. 25-04. 89-65. 65. Cinq, 62, 14, 62, 14, ouais. Alors, Solid Eyebrow, ouais, porte des lunettes. Un nez rond. Est-ce que je l'ai pas déjà laissé rentrer? Alors, Mia. Donc, son fiancé n'est pas à la maison. Ok, bon, bah, ça va être le vrai du coup.
J'ai pas fermé la porte. Bon, bah tant pis. Quatorze voisins tués. Oh putain, le massacre. Paycheck. Alors, quelle fin on a eu du coup? D'accord, le just like Henry. Bon, bah, c'est-à-dire que. Bon, bah, j'ai fait aussi bien qu'Henry. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je lance un autre truc ou pas? Où est-ce que... va changer tout. On va passer sur Machinica. Hop. En tout cas, le mode campagne est très sympa. C'est pas mal du coup le fait qu'il y ait plusieurs jours et tout, que ça garde ceux qui sont les voisins qui sont morts ou pas. Bon, je vais faire un vrai massacre. Hop. Alors.